Shalom, shalom, amoureux de Jésus-Christ. Shalom, shalom, lovers of Jesus Christ. Bonjour, bien-aimés. Good morning, beloved. On dirait que les gens dorment aujourd'hui là. I feel like people are sleeping today. Aujourd'hui, je suis à l'heure. Today, I'm on time. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Glory to the lamb, glory to Jesus. My God is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. My God is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. Lift him up higher. Lift him up higher. Jesus is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. The Lord is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. Lift him up higher. Lift him up higher. Jesus is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. Jesus is good, I will lift him up higher. Everywhere I go, I will lift him up higher. 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 Acclama, 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 acclama. Put your hands together. Celui qui a vécu pour toi. The one who celui qui a donné sa vie pour toi. The one who gave his life. Acclame pour le Dieu d'éternité. Put your hands together for the King. Celui qui règne à jamais. The one who reigns forever. Si tu crois que tu es en vie, acclame pour Jésus-Christ. If you believe that you are alive, put your hands together. Tu es en vie, acclame pour le roi de gloire. Put your hands together for the King of glory. Alléluia. Amen. Père de gloire, Père de bonté, nous venons à toi encore. Glory, Father of goodness, we come to you this morning. Élevez ton nom qui est au-dessus de tout. Praise your name who is above all names. Parce que nous voulons te voir agir dans la vie de tout un chacun. Because we want to see you work in everyone's life. Nous voulons t'écouter, ô Père vainqueur. We want to hear you, O the conqueror. Toi qui as tout ce qu'il nous faut pour ce jour. You who have everything that we need. Et qui a toujours eu ce qu'il nous faut. And you always have what we need. Toi en qui nous avons tout au-delà de notre entendement. You're the one that we have everything above our understanding. Ce matin, nous voulons te rendre toute action de grâce. This morning, we want to give you all thanksgiving. Pour le souffle vie que tu nous accordes, for the breath of life you have pour la vie de tout un chacun, and for the life of everyone, pour la famille de tout un chacun, and for everyone's family, pour des serviteurs et servantes que tu as placés partout dans le monde, and pour ton mission, and men servant you have placed on earth for your mission. Merci pour nos voisins. Thank you for our neighbors. Merci parce que tu as tenu encore le ciel au-dessus de la terre. Thank you because you have held again heavens above the earth. Nous t'en sommes reconnaissants, and we are grateful, O Father. Nous t'élevons, Jésus Christ. We praise you, Jesus Christ of Nazareth. Nous voulons t'écouter. We want to hear you. Parle à chacun de nous. Speak to each and every. Selon le langage qui nous est maternel. In the language that we will understand. Pour ta seule gloire, ô roi vainqueur. For your glory, O conqueror king. Hallelujah. Amen. Nous ramenons à l'obéissance toute pensée captive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. And we bring back to obedience all thought in nous renversons les forteresses et tout raisonnement possible. We break all fortress and all reasoning possible. Et nous étalons ton sang partout où l'air circule au nom de Yeshua HaMashiach. And we spray your blood everywhere the air is moving in the name of Yeshua HaMashiach. En sorte que chaque conscience soit purifiée, sanctifiée par ton esprit. So every conscience will be purified by your blood. Donne-nous ta vie encore ce matin. Give us your life this morning.
ta parole, your word, le meilleur de toi-même, and the best of yourself, afin que nous sortons d'ici transformés, ô roi, so we can come out of here transformed, ô king, afin de marcher de gloire en gloire, so we could walk from glory to glory. C'est à cela que tu nous invites, and that's what you are calling us on. En ton nom précieux, nous t'avons prié. In your precious name, we have prayed. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Glory to the Lamb. Alléluia. Amen. Qui est préoccupé? Quelqu'un est préoccupé? Relax. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Il y a les ingénieurs autour de nous là, c'est compliqué. There are engineers everywhere. It's complicated. Tu vois, souvent en voulant trop arranger, on peut déranger aussi. You know, sometimes when we try to do too much, you could start messing up a lot. Alléluia. Ne te déconnecte pas, nous sommes là pour te servir. Do not disconnect. We are here to serve you. J'ai reçu la grâce aujourd'hui de te servir encore. I have received the grace today to serve you again. Ouais, shalom ma sœur, ça me fait la joie de te voir connectée. Yes, shalom my sister, it pleases me to see you connected. Que le Dieu devant qui je me tiens comble le vide qui est dans ton cœur, ma sœur. Let the God to whom I'm standing fill up the void in you, my sister. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Alors je disais que je viens aujourd'hui avec un nouveau thème. So I was saying that today I'm coming with a new topic. Rappelle-toi au début du mois, Dieu nous a parlé de la foi. Now remember, in the beginning of the month, God spoke to us about faith. Dieu nous a parlé de la foi. God spoke to us about faith. Que allons avec la foi vers la fin de cette année. Let's go with faith toward the end of this year. Que l'Éternel renforce la foi de tout un chacun selon Let sa grâce. Let the Lord strengthen everyone's faith according to His grace. Que celui qui respire demande l'aide au Saint-Esprit. Augmente-moi la foi au nom so de Jésus. So the one who's breathing asks to the help of the Holy Spirit la to increase en Jésus. The faith in Jesus. Alléluia. Amen. Je ne peux commencer ce message sans saluer quelqu'un qui vient d'arriver dans ma famille. I cannot start this message without greeting someone in my family. Il y a un prince qui vient de naître dans ma famille. A priest was born in my family. Amen. Et vous imaginez, on l'appelle Élisée. And you can imagine his name is Elijah. Ça c'est compliqué. It's Amen. Complicated. C'est vraiment un royaume des sacrificateurs qui fait que ce It's really a kingdom of high priests that the name keeps adding. Je te souhaite la bienvenue, mon fils. I welcome you, my son. C'est ça aussi la grâce. And that's also the grace. Naître sans que ta tante soit là, mais c'est pour la gloire de Dieu. Being born without your auntie, but it's for the glory of Mon God. Dieu est là, c'est tout ce qui est suffisant. And my God is there, and that's all that matters. C'est aussi le prix à payer. And that's also the price to pay. Alors nous bénissons le Seigneur. So we Amen. Bless the Lord. Avec le message qu'il nous donne aujourd'hui. With the message He is giving us today. Notre message est intitulé comme ceci. Our message is called. Ne crains rien. Do not fear. Car Christ a tout accompli pour toi. Because Christ accomplished all for ne you. Ne crains rien. Do not fear. Car Christ a tout accompli pour toi. Because Christ accomplished everything for you. C'est un message d'encouragement. It's a message of encouragement. C'est un message de réassurance. It's a message of reassurance. Pour toi qui as Christ. You who have Christ. Pour toi qui crois encore. And you who still believe. Mais pour toi qui crois que c'est fini pour But toi. But for you who believe that it's over for c'est you. C'est pas encore fini. It's not over. Donc le maître n'a pas dit c'est fini, c'est pas fini. Because the Lord haven't said it's over. Alléluia. Amen. Dis ne crains rien. Do not fear. Car Christ a tout accompli pour toi. Because Christ has accomplished everything for you. Je sais pas si nous allons finir ça aujourd'hui. I don't know if we are going to finish this today. Mais sinon nous avons encore un dimanche de plus. But other if we don't finish, we still have an extra Sunday. Alléluia. Amen. Pour ce faire, nous allons lire dans Ésaïe au chapitre 53. So we are going to read in the book of Isaiah 53. Ésaïe 53. We are in the book of Isaiah 53. Gloire, 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 l'agneau.
Beloved, think of those who are no longer on this earth. Ils ont été plus saints peut-être que plus que toi. Ils ont été plus saints que toi, bien-aimé. They were holier, maybe. Mais il a plu à Dieu de les retirer de ce monde. But it pleased God to take them away. Toi et moi, nous vivons encore aujourd'hui. Now you and I, we still live today. Alors élève Jésus de tout ce que, avec tout ce que tu as comme force et énergie. Praise Jesus with all the energy and strength that you have. Avec ton âme, ton esprit. With your soul and spirit. Et tout ton corps après. Glorifie le Seigneur. And let the whole body glorify. Loue l'Éternel des armées, toi qui respires en toi. Praise the Lord of armies, you still breathing. Alors assois-toi convenablement pendant que ta servante va travailler. So be seated comfortably while your servant will be working. Nous sommes dans Ésaïe au chapitre 53. We are in the book of Isaiah 53. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Nous commençons au premier verset. We are going to start in the first verse. Jusqu'au verset 6. All the way to verse 6. Ésaïe 53. So we are in the book of Isaiah 53. Du verset 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lèvons-nous pour le respect de la parole, s'il vous plaît. Please rise for the respect of the word of God. La Bible déclare. The Bible declares. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Who has believed to our message, that which was revealed to us, and to whom has the arm of the Lord been disposed? For he grew up before him like a tender plant and like a root out of dry ground, he has no form or comeliness that we should look at him, and no beauty that we should desire him. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. He was despised and rejected and forsaken by men, a man of sorrow and pain, acquainted with grief and sickness, and like one from whom men hide their faces, he was despised, and we did not appreciate his worth of any of esteem for him. Verset 4. We are in verse 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Surely he has borne our grief, sickness, weaknesses, and distress, and carried our sorrows and pain. Yet we ignorantly consider him stricken, smitten, and afflicted by God. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our guilt and iniquities. The chastisement needfully to obtain peace and well-being for us was upon him. And with the stripes that wounded him, we are healed and made whole. Verset 6, le dernier. We are in verse 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. All we, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has made the light upon him the guilt and iniquity of us all. Hallelujah. Amen. Gloire à l'Éternel. Glory to the Lord. J'aime comment Isaïe commence ce chapitre. I like how Isaiah starts this chapter. Il dit, qui a cru? He said, who has believed? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Who has believed to what was revealed to us? Qui a cru? Who believed? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Who has recognized the hand of the Lord? Jusqu'aujourd'hui, nombreux ne croient pas que cela est vrai. Until today, a lot do not believe that this is. Nombreux ne croient pas que le Fils de l'homme était déjà ici sur la terre. A lot do not believe that the Son of God was already here on earth. Ils ne croient pas que c'est lui qui a été prédestiné pour toi et moi pour nous sauver. They do not believe that he's the one that was chosen to save us. Combien doutent encore?
How many are still doubting? Combien discutent encore? How many are still arguing about it? Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Et ça a été qu'il n'y avait rien d'attirant en lui. Isaiah said there were nothing we could desire. Ni éclat, ni beauté. No beauty, no. Il n'y avait rien impressionné quelqu'un. Nothing was impressing anyone. Cependant, ce sont de nos souffrances qui s'est chargé. But it's then he bared our grief. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. The chastisement that gave us peace fell on him. Par les blessures, and by his wound, de son corps, of his body, nous avons été guéris. We are healed. Wow. Amen. Nous qui étions sans droit de cité en Israël, us who had no right of citizenship, nous qui errons ici et là, we were astray here and there. Il nous a réconciliés avec Dieu. But he reconciled us. Il nous a donné le droit d'approcher Dieu. And il nous a donné l'adoption, bien-aimé. He gave us the adoption to get closer. Aujourd'hui, tout le monde, nous sommes appelés enfants de Dieu. Now, today, you and I, we are called child of God through him. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec lui. We are heir and co-heir with him. Hallelujah. Amen. Et qu'est-ce qui se passe souvent? But what is going on? Dis, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? What did people say? What did Jesus do for me? Isaïe nous l'a annoncé 8 siècles avant la venue de Jésus. Isaiah is announcing it to it 8 centuries before Jesus. Aujourd'hui, si on te dit quelque chose, today if they tell you something, tu diras qu'est-ce qui prouve que ça va arriver, n'est-ce pas? You say what proof that it's going to happen? Et quand ça vient de l'Éternel, but when it comes from the Lord, quel que soit le temps que ça peut prendre, sera regardless of the time it will take, it will be accomplished. Isaïe a prophétisé 8 siècles avant. Isaiah prophesied 8 centuries before. Un enfant nous est né, that a son was born. Un fils nous est donné. A son was given to us. On l'appellera Emmanuel. They will call him Emmanuel. Père éternel, the eternal. Le conseiller, the advisor, l'admirable, the admiral advisor, qui a pu, who believed. Mais 8 siècles après, but 8 centuries later, la prophétie s'accomplit. The prophecy accomplished. Hallelujah. Amen. Christ est né. And Christ was born. Les conditions dans lesquelles il est né nous sont connues. The conditions in which he was born are known. Pas dans un hôpital luxueux. Not in a luxurious hospital. Pas dans une famille qu'on dit que là-bas il y a des gardes, il y a tout ce monde. Not in a family where they say there are guards and servants. D'une manière simple. But a simple way. Mais les anges ont témoigné. But the angels testified. Hallelujah. Amen. Et la joie a retenti. And the joy was. Mais okay. Aujourd'hui nous parlons de ce que Christ a accompli. But today we are going to speak about what Christ accomplished. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? What did Jesus come to do? Ce sauveur envoyé. This savior was ce messie. This messiah. Qu'est-ce qu'il a accompli? What did he accomplish? Tu vas me dire que tu connais déjà. Are you going to tell me? I know. Ce monde nous enseigne que la répétition est la mère des sciences. But this world teaches us that repetition is the best science. Et tant que Dieu nous permettra. And as long as God would allow. Nous ne serons jamais embarrassés de répéter les mêmes choses. We will never be embarrassed to repeat the same. Car cela est le salut pour ceux qui croient. Because that's salvation for those who believe. Hallelujah. Amen. Jésus a accompli l'expiation de nos péchés. Jesus accomplished the cleansing of our sin. Premièrement, first of all, il a accompli l'expiation. He accomplished the cleansing of our sins. Donc, il a ôté le péché. So he removed sin. Hallelujah. Amen. En anglais aussi le mot expiation existe. In English too, the word expiation exists. Donc premièrement, so first thing, notre sauveur a accompli l'expiation. Now our savior accomplished expiation. Jean nous l'a dit dans Jean 1 verset 29 que tu connais. John tells us in John chapter 1 verse 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Here is the lamb of the Lord who removes the sins of the world. Jean qui a reçu la mission de préparer le chemin du Seigneur. John who received the mission to prepare the way of the Lord. Nous montre l'agneau de Dieu. He is showing us the lamb. Il a ôté le péché du monde. He has removed the sins of the world. Jésus Christ de Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. Comment il peut ôter le péché du monde? How can he remove the sin of the world? Nous venons de lire Esaïe 53. We just read Isaiah 53. Le dernier verset que nous avons lu. The last verse that we read, verse 6. La Bible dit à la dernière phrase. The Bible says the last sentence.
Esaïe 53, verset 6, la partie B. So we are in Isaiah 53, verse 6. Je dirais plutôt la partie C parce que c'est la dernière phrase. Oh, I would say that very last sentence. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. And the Lord has made the light upon him the guilt and the iniquity of us all. Wow. Amen. Le péché de tous. Amen. Everyone est tombé sur lui. Fell on him. C'est pas facile, n'est-ce pas? It's not easy, right? Qui peut aujourd'hui assumer un tort qu'il n'a pas commis? Who can today assume something that he did Dans not un commit? Univers que chacun se justifie. In a universe where everyone justifies. Chaque personne a raison. Everyone is right. Non, c'est pas moi. Oh, it was not Mais me. Je peux pas répondre à sa place. Oh, I cannot respond at this place. Mais le Fils de l'homme, But the son of man, le Fils unique de Dieu, the only son Jésus of God, Christ de Nazareth, Jesus Christ of Nazareth, a pris tes péchés. He took your sin. Il a ôté tes péchés. And he removed your sin. Bien aimé, ça fait, c'est-à-dire. C'est compliqué. Beloved, it's complicated. C'est toi qui as fait le mal. Now, you're the one who did wrong. Mais c'est une autre personne qui vient prendre. But it's someone else who comes and bears it. Lisons Hébreux 9 au verset 26. Let's go in the book of Hebrews 9 verse 26. Hébreux 9. So we are in the book of Hebrews chapter 9. Hébreux 9, verset 26. We are in the book of Hebrews 9, verse 26. C'est la dernière phrase qui nous plaît. Now, qui nous intéresse plutôt. The last sentence is where we want Mais to je vais commencer, je vais lire tout le verset. But I'm going to read the whole verse for better understanding. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. For then, would he often have had to suffer over and over again since the foundation of the world? But as is it now, he has once for all at the consummation and close of the ages appeared to put away and abolish sin by his sacrifice. Par sa mort, by his death, Jésus abolit le péché. Jesus abolished sin. Jésus a ôté ton péché. Jesus has removed your sin. Par sa mort. By his death. Ce sont des faits souvent que nous réalisons pas. Those are things that we don't realize. Mais quand on te parle de Jésus Christ, now when they are speaking to you about Jesus tu veux le comparer à ton grand-père. Oh, you want to compare him with your grandpa. À ton mari. To your husband. À ton chef d'état. Or to your leader. Au dieu de ta famille. Or the gods of your families. Est-ce qu'il a pris ton fardeau. Now, did he take your burden? Ou bien il t'a condamné parce que tu lui as désobéi. Or he condemned you because you disobeyed him. Hallelujah. Amen. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus fait? Now, secondly, what does Jesus do? On me parle de la propitiation. They're speaking to me about propitiation. Propitiation. Hallelujah. Amen. C'est compliqué. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que la propitiation? What is propitiation? On a tendance à confondre cela. We have the tendency to confuse it. De confondre cela. To get it mixed up. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. La propitiation, c'est l'action d'ôter la colère de Dieu sur nous. Now, propitiation is the process of removing God's anger on us. Et en remplaçant cela par la grâce, la and favor. By replacing it by grace or favor. Tu as péché. You have sinned. Tu as énervé Dieu. You got God very upset. Jésus vient. And Jesus comes. Il ôte le péché. He removes the sin. Il
enlève aussi la colère de Dieu. And he also removes God's anger. Donc, la conséquence de ton péché. So the consequence of your sin. L'effet de ton péché. Or the side effect of your sin. Ça énervait Dieu. It got God very upset. Donc, Jésus a non seulement enlevé le péché. So not only Jesus removed sin. Il a aussi enlevé ce que ça causait dans son père. He also removed what your sin caused in God's heart. Acclame pour Jésus-Christ. Put your hands together for Jesus Christ of Nazareth. Je suis en train d'aller doucement, bien-aimé. I'm going slowly. Parce que ce sont des faits très, très fondamentaux de notre foi. Because those are very important things for our faith. Si tu connais pas ça, on peut te détourner facilement de ta foi. If you don't know these things, they could take you around with your faith. Tu vas être ballotté à tout vent de doctrine. And you're going to be swifted left and right in all doctrine. Mais le maître qui t'appelle à vivre par la foi. But the master that calls you to live by faith. A triomphé par ta foi. He triumphed over your faith. Il veut que tu comprennes. He wants you to understand. Qu'est-ce que Jésus a fait? What did Jesus do? Pour que quand tu pries. So when you pray. Tu pries en conséquence de so cause. You can pray with facts. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Thank you Lord. Cela ne signifie pas que la propitiation suscite l'amour de Dieu pour toi et moi. Now it doesn't mean that the propitiation removes God's love for you. Tu peux me dire the removal of God's wrath. Okay. The removal of God's wrath. Thank you. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que la prononciation là c'est quelque chose. This pronunciation is difficult. Amen. Gloire à l'agneau. Glory to the Lamb. Dieu nous a toujours aimés. Now God always loved us. Dieu nous a toujours aimés bien aimés. God always loved us beloved. Parce que mon ABC là, mon verset que le seul verset que je peux réciter de la Bible. Là. Because my ABC, the only verse that I could cite from the Bible. Jean 3 verset 16. John 3 verse 16. La Bible dit quoi? What does the Bible say? J'ai dit je peux réciter au moins celui-là. I said I could recite at least that. Que Dieu a tant aimé le monde. That God have loved so much the world. Qu'il a donné son fils unique. That he has given us his begotten son. Dieu a tant aimé le monde. That God have loved so much the world. Il a donné son fils unique. And he gave his only begotten son. Afin que quiconque croit en lui. So everyone who believes in him. Ne périsse point. Will not perish. Mais qu'il ait la vie éternelle. But have the eternal life. Alléluia. Amen. Il a dit quiconque. He said whoever. Il a dit le monde. He said the world. Dieu aime sa création. Love God his creation. Dieu t'aime là où tu es. God loves you wherever you are. Que tu sois musulman. Muslim. Que tu sois hindou. Que tu sois bouddhiste. Hindu, Buddhist. Dieu t'aime. God loves you. Mais si tu crois qu'il a donné son fils pour ton amour. But if you believe that he gave his son for your love. Que son fils meurt à ta place. That his son died on your et place. Et que tu crois qu'il y a la vie en Jésus. And that you believe that there is life in Jesus. Fais de lui ton Seigneur. And you make him your il Lord. Il a dit quiconque croit. You see, whoever who believes. Il n'a pas vu les races. He did not see il n'a pas vu les rangs sociaux. Il n'a pas vu les positions géographiques. He didn't see geographic. Il a dit quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais il a la vie éternelle. Will not perish, but have eternal life. So where you are, reconnais que Dieu t'aime. Recognize that God loves you. Quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, regardless of the situation you can find yourself, quelle que soit ce qu'on peut dire de toi, regardless of what they can say, quelle que soit ce que tu peux voir, regardless of what you can see, quelle que soit comment tu passes tes nuits, regardless of how you spend your night, cela ne bouscule pas l'amour de Dieu. Oh, it doesn't shake God. God loves you just the way you Dieu t'aime tel que tu es. God loves you just the way you are. Mais si tu viens en Jésus, but if you come to Jesus, tu reçois le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. And you receive the power to be called child of God. Et la vie éternelle. And eternal life. Donc c'est mieux de venir en Jésus. So it's better to come to Jesus. Tu peux voir les enfants dans la maison. You could see children inside. Oh, j'ai vu les enfants dans sa maison. Oh, I saw children inside the house. Mais tous ne l'appartiennent pas. But all those children don't belong to their father. Tous n'ont pas droit à son héritage. Everyone don't have the same a right to the heritage. En Afrique, in Africa, on dit souvent ceci. We say,
often. Un enfant dans le sein maternel appartient à une personne. Now, a child in the mother's womb belongs to one person. Mais une fois qu'il est né, but once that child il appartient born, à tout le monde. It belongs to everyone. C'est-à-dire qu'on interpelle tout le monde de prendre soin de l'enfant. It means that they call upon everyone to take care of that child. Et du parent de croire que les autres aussi aiment ton enfant. And to the parents to believe that everyone loves your child. Alléluia. Amen. Donc il y a la différence. So there is a difference. Oui, tous on est là. Yes, we are all here. Mais l'héritage, but the heritage, est pour les enfants du propriétaire des biens. Is Amen. For the children of the owner. Alléluia, gloire Amen. À Jésus. Amen, glory to Jesus. Mais nous devons reconnaître une chose. But we need to recognize one thing. Souvent les gens confondent. Sometimes people get it confused. Mais si Dieu m'aime, pourquoi il me punit? But if God loves me, why does he punish non, me? Non, l'amour, but love, n'abolit pas la justice ni la sainteté. It doesn't abolish justice or holiness. Dieu t'aime. God loves. Il aime les pécheurs. He loves mais sinners, il n'aime pas le péché. But he doesn't love the sin. Mais est-ce que tu vas vivre dans le péché parce que Dieu t'aime, c'est suffisant? Now, are you going to live in sin because God loves you as a sinner. Mais la justice de Dieu, où est-ce que tu la places? Justice of God, where do you put it? Romains 3, de verset 25 à 26. In the book of Romans, chapter 3, verse 25 to 26. Romains 3. We are in the book of Romans, chapter 3. Du verset 25 à 26. Verse 25 to verse 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? What does the Bible tell us there? Alléluia. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Let's read in the name of Jesus Christ of Nazareth. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dit Dieu, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and propitiation by his blood, the cleansing and the life-giving sacrifice of an atonement and reconciliation to be received through faith. This was the show of God's righteousness because in his divine forbearance he had passed over and ignored former sins without punishment. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Nous parlons de la propitiation. We are speaking about the propitiation. Ça ôte la colère de Dieu. It removes God's wrath. Mais par Jésus. But through par le Jesus, sang de Jésus. Through the blood of Jesus. Il est une victime propitiatoire. He is a sacrifice, a propitiation qui a sacrifice. Été accepté. The sacrifice that was accepted. Pour que tu obtiennes le pardon. For you to receive forgiveness. Pour que la colère de Dieu ne soit plus agissante sur toi. So God's wrath would not work anymore in you. Parce que Dieu avait laissé impuni, comme la Bible nous le dit. Because God left unpunished, like the Bible tells us. Les péchés commis avant. The sins that were committed before, dans sa patience, in his patience, en sorte qu'aujourd'hui, so today, après qu'il ait sacrifié son fils, after he sacrificed après, après qu'il a vu son fils souffrir pour toi, after he saw his son suffering for vous savez combien ça fait mal? Do you know how much it hurt? Qu'un parent voit son enfant souffrir. That for a parent to see the toi child et moi qui avons des cœurs méchants. Now you and I, we have wicked hearts. Nous permettons pas que quelqu'un fasse du mal à ton oh, enfant. We do not allow anyone to hurt même our si ton child. Enfant a péché. Even if your son has tu ne vas pas laisser la croiser les mains qu'on frappe oh, ton enfant. You cannot just sit there and watch your mais child. Dieu a vu son enfant être maltraité par les mêmes personnes. God saw his son be mistreated by the same people who committed the sins. Et combien va-t-il te laisser impuni aujourd'hui? And how much would he keep you let you unpunished? Toi qui refuses de croire au fils you who believe who refuses to believe in parce the son. Parce que celui qui refuse de croire au fils de l'homme est déjà jugé. Because the one who refuses to believe in the son of God is already judged. Parce que tu as refusé de croire au fils de l'homme. Because you refuse to believe in the son of God. Lui qui a ôté ton péché. The one who removed your sin. Lui qui a ôté la colère de son père contre toi. The one who removed God's wrath and rank against you. Mais tu as encore des raisons. But you still have reasons. Des excuses. Excuses. Parce que tu crois pas que c'est ça. Because you do not believe that this is it. Mais la foi vient de ce qu'on entend. But faith comes from what we hear.
Et ce qu'on entend vient de la parole and de what Dieu. We hear comes from the word of Et c'est God. Ma prière ce matin. And that's my prayer this que morning. Toi qui m'écoutes, that you listening to que me, tu réalises, for you to realize, qu'est-ce que ta vie sans Jésus? What is your life without Jesus? Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. The one who doesn't have the Son of God celui qui has a no life. Celui qui a le Fils de Dieu, c'est celui-là qui a la vie. The one who has the Son of God has life. Ça demande pas l'argent. He doesn't ask money. Et il va pas prendre aussi ton argent. And he would not take your money. Il a besoin que de ton cœur. He just needs your heart. Que tu acceptes. For you to accept. Que tu acceptes. For you to accept. Qu'est-ce que Hébreux nous dit? What does the book of Hebrews tell us? Hébreux 2 verset 17. We are in the book of Hebrews chapter 2 verse 17. Hébreux 2 verset 17. Hebrews chapter 2 verse 17. La Bible dit ceci. The Bible say. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. So it is evident that it was essential that he be made like his brethren in every respect, in order that he might become a merciful, sympathetic, and a faithful high priest in the things related to God, to make atonement and propitiation for the people's sin. Hallelujah. Amen. Amen. Tu as bien prononcé le mot, c'est ça? Amen. Ok, gloire à Jésus. Propitiation. Amen. Amen. Et Jean nous dit quoi? And what does John tell us? 1 Jean 4, verset 10. We are in the first book of John, verse 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. And, sorry, we are in the book of John, chapter 1, verse 5. Oh, first. 1 Jean 4, verset 10. I read in the name of Lord, first book of John, chapter 4, verse 10. In this love, not that we loved God, but he loved us and sent his Son to be the propitiation, the anointing sacrifice for our sins. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Glory to the Lamb. Bien-aimé. Beloved. C'est tellement important. It's so important. De comprendre ce que Jésus a fait pour toi. To understand what God did for you. C'est toi qui as péché. You're the one who sinned. Il a pris cela sur lui. And he took it on him. Il a payé le prix. And he paid the price. Je parlais à un enfant de Dieu il y a quelques années. I was speaking to a child of God a couple years ago. Je lui ai donné une illustration. And I gave him an illustration. Imaginons tu es en train de passer dans une ruelle. I said, imagine you are going through a street. Tu vois un vieillard. And you see an elder. Avec un œil. With one eye. Et il boitille. And he's limping. Mais tu savais pas, tu le connais, on t'a appris seulement que le vieux là, tous les enfants du village se moquent de lui. And they just told you that this son, this old man, everyone makes fun of him. Et toi aussi comme enfant, tu commences à te moquer de lui. And you too, like a child, you start making fun of that old Mais guy. Un jour on va te dire. But one day they will tell you. Que tu sais pourquoi il est borné et il boite. Now do you know why he's like one eye and he limps? Parce que tu étais bloqué dans une chambre. Because you were stuck in a room one day. Il y avait le feu. And there were the fire. Tes parents enfouis. Your parents ran away. Parce qu'ils pouvaient pas supporter les flammes du feu. Because they couldn't bear the heat of the flame. Les voisins ont crié. The neighbors started shouting. Il n'y avait personne qui pouvait entrer à travers ce feu. And no one could enter through that blazing fire. Ce papa est entré. But that man entered. Pour te sauver toi. To save you. Pour que tu ne sois pas brûlé. So for you not to be burned. Il t'a mis dans son sein. And he held you. Si tu le vois même jusqu'à son dos, c'est brûlé. If you see him all the way to his back, he's burned. Pour te sauver. To save you.
Pendant que tes parents étaient dehors, while your parents were outside, tes voisins étaient dehors, your neighbors were outside. Quelle sera ta réaction après qu'on te l'ait dit? Now, after you are told that, what will be your reaction toward that old man? Je me souviens, c'était une sœur. I remember it was a sister. Elle a commencé à pleurer. She started crying. Je dis, pourquoi tu pleures? I said, why are you crying? Je dis, je n'avais jamais réalisé ça. She said, I never realized that. Oui, Jésus a fait ce que ton père ne peut pas faire. Yes, Jesus did what your father could not. Jésus a fait ce que ta mère ne peut pas faire. Jesus did what your mother couldn't. Ce que ton mari ni ta femme ne peut faire. What your husband nor your wife could have done. Ni tes frères ni tes sœurs. Nor your brothers or sisters. Combien de parents sont dehors pendant que leur seul enfant sort dans les prisons? How many parents are outside when their only son are in jail? Ils dorment pas en prison. They don't sleep in prison. Tu peux voir la cour de justice. You could see the judges. Une maman pleurait. You could see a mother crying. La femme ou les enfants ou les amis pleurer. Or the friends or the wife crying. Mais celui qui va en prison, c'est celui qui a commis le délit. But the one who goes in jail is the one who committed the crime. Mais ici dans le cas présent de Jésus. But here in the case of Jesus, il t'a libéré. He sets you free. Il est parti en prison à ta place. And he went in prison because on your behalf. Nous allons descendre. We are going to go a little bit lower. Le salaire du péché étant la mort. Now the reward of sin is death. Il a pris cette mort. He took that death. Afin que tu vives éternellement. So you could live forever. Alors réfléchis. So think. Nous tendons vers la fin de l'année. We are heading toward the end of the year. Qu'est-ce que tu penses de Jésus? What do you think? Quelle est la place de Jésus dans ta vie? What is Jesus' place? C'est seulement un nom que tu cites comme ça? Is this just a name you? Quelle est ta relation avec celui what avec is your celui qui a tout donné pour toi? With the one who gave everything for you. Hallelujah. Amen. Le péché nous sépare de Dieu. Now sins separate us from God. Dans le jardin d'Eden, in the garden of Eden, après que le premier couple ait péché, after the first couple have sinned, Dieu les a chassés du jardin. God kicked them out of the garden. Hallelujah. Amen. Mais Jésus-Christ par sa mort, but Jesus Christ by his death, nous a réconcilié avec le Père. Reconciled us with the Father. Donc le péché nous séparait de Dieu. So sin separated us from God. Jésus a ôté ce qui nous séparait. But Jesus removed what was separating us. Donc Jean a dit, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Now remember, John said he is the Lamb of God who removes sin. Donc, ce qui te séparait de ton père, so what was separating you from your father, de ton créateur, or your creator, de l'entrée dans le jardin d'Eden, to enter in the garden of Eden, de la rentrée dans le jardin d'Eden, or of the entrance of the garden of Eden, Jésus a enlevé cela, and Jesus removed it. Il t'a remis en relation avec Dieu, and he put you back in a relationship with God. Romains 5, du verset 10 à 11. We are in the book of Romans 5, verse 10 to 11. Hallelujah. Amen. Romains 5, du verset 10 à 11. We are in the book of Romans 5, verse 10 to 11. Mais si nous ne finissons pas, nous allons continuer la semaine prochaine. I say, if we don't finish, we're going to continue next week. Nous sommes à notre troisième point, n'est-ce pas? We are in our third point, right? La réconciliation. The reconciliation. Il accomplit cela pour he toi. Accomplished that for you. La Bible déclare dans Romains 5, verset 10. The Bible declares in the book of Romans 5, quand verse j'arrive 10, ici, je dis, Seigneur, prends pour toi ma vie, quoi. When I get here, I say, Lord, just take my life. Et quand je commence à danser, je me dis, pourquoi elle aime danser pour le and Seigneur? And then when I start dancing, people say, why does she love to dance non, for ce the qu'il Lord? A fait pour moi-même, ma danse ne suffit pas pour beloved, what he did for me, even my debts doesn't pay it enough. La Bible dit ceci. The Bible says. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. For if while we were enemies, we were reconciled to God through death of his Son. Which is much more certain, now that we have reconciled, that we should be saved daily, delivered from sin's dominion through his resurrection. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Not only so,
But we have rejoiced and exultingly glory in God in His love and perfection through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received and enjoy our reconciliation. Hallelujah. Amen. Bien-aimé. Beloved. Tu étais séparé de Dieu. You were separated from God. Tu n'avais plus accès au bonheur. You had no access to joy. Dieu a créé tout ce qu'il fallait. And God created everything that was needed. Il a créé l'homme. He created man. Il lui a donné de dominer sur tout ce qu'il avait créé. And he gave him dominion over everything he created. Il lui a donné son jardin pour le garder, le cultiver. He gave him the garden to keep it and take care of it. Il lui a donné une femme. He gave him a wife. Comme aide semblable. Like a helper. Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il avait. God qu'il avait gave besoin. Man everything that non, he je dirais needed. Pas besoin. I would not say needed. Parce qu'il n'avait pas exprimé le besoin d'une femme. Because he never expressed any need for a wife. Ou le besoin de dominer. Or the need to dominate. Comme aujourd'hui, dominate. Les gens peuvent tout donner pour rester au pouvoir. Now, like today, people can give everything to stay in power. Les gens peuvent tout donner pour être mariés. Everyone can give everything to be married. Les gens peuvent tout donner pour avoir un travail. But everyone can give everything to have a job. Mais gratuitement. But freely. Par amour. By love. Dieu a créé l'homme. God created man. L'a placé dans son jardin. And placed him in the garden. L'a donné de quoi faire. And gave him what to do. Il a donné sa femme pour qu'il soit en joie parce qu'il a dit n'était pas bon qu'il soit seul. And he gave him a wife so he could be happy because God said il lui a donné le bonheur. For a man to be alone, he gave him happiness. Dieu a pensé à la place de l'homme. God thought at man's place. Alors quand le péché est arrivé, so when the sin came, par la distraction, bien-aimé, by distraction, beloved. L'homme avait l'autorité. Men have the authority. Le pouvoir. The power. De dominer sur toute la création dans le jardin. To dominate over the creation. Combien d'entre nous sommes distraits aujourd'hui? How many of us are distracted today? C'est pas ça mon message aujourd'hui. That's not my message today. Je veux que tu te rendes compte de ce que tu as perdu ou ce que tu perds n'étant pas en relation avec Dieu. I want you to realize what you have lost. Or what you are losing not being in a relationship with God. Toi qui n'as pas une relation avec Dieu. Now you who don't have a relationship with God. Par Jésus-Christ qui est le chemin. Through Jesus Christ who is the Word. Qui est le seul chemin qui t'amène au Père. He is the way, the only way that oui, you parce the que quelqu'un va me dire. Yes, someone will tell me. Est-ce qu'avoir Dieu, il faut seulement passer par Jésus? Now, having God, we just need to go through Jesus. Seulement par son fils unique. Yes, only by his only begotten son. Supporte le succès de l'autre. Oh, you need to bear the other's success. Et c'est son enfant ici. Mm-hmm. It's God's child here. Donc tu peux entrer chez lui que par son fils. So you could only enter through him, through the son. Voilà pourquoi dans beaucoup de familles certaines souffrent pour vouloir tuer l'héritier. You see, that's why in a lot of families, a lot of people want to kill the heir. Bien aimé, faisons très attention. Beloved, let's be very careful. Il y a des gens qui attaquent ton enfant parce que ton enfant, c'est pas parce que ton enfant a mal fait. Non. There are people who attack your child not because they did wrong. No. Parce que c'est lui qui a accès à ton héritage. Because she is the one or he is the one who has access to your heritage. Et c'est lui qui peut leur empêcher d'avoir accès. And he is the one who could stop them to have access. Là encore, c'est pas mon message aujourd'hui. Now, that's not my message today. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais tout ce privilège. But all that privilege. Mais imaginons dans le jardin de Dieu. Now imagine in the garden of God. Dieu a dit à l'homme, tu peux manger de tout, du fruit de tous les arbres du jardin. God told man, you could eat all the fruit in the garden. Sauf le fruit d'un arbre. Except one fruit from one tree. Ok, même dans le pays où tu te trouves. Hein, even in the country where you are. Il y a combien d'arbres fruitiers? How many trees there are in this country? Et je ne crois pas que tu as accès à tous ces fruits. I don't think you have access to all those fruits. Tu dois acheter aussi. You need to buy your fruit. Mais ici on lui donne gratuitement. But here they give it to him freely. Il n'a pas semé. He did not sow. Il n'a pas planté. He did not reap. Mais on lui dit seulement mange. But they just tell him eat.
Il n'a pas fait une campagne électorale. He did not go through an electoral campaign. On lui donne le dominion sur la création. But they're giving him the dominion over the creation. Il n'a pas payé, versé la dot ou acheté la robe de mariage pour la mariage. He did not buy the dowry or get the wedding or buy the wedding gown. Mais Dieu lui a donné une femme. But God gave him a wife. Et quand c'est Dieu qui donne, c'est le bonheur. And when God gives, that's happiness. Parce qu'il a dit, il n'est pas bon. Because it's not good. Oh, yeah. Faut faire attention aux femmes qui ont Dieu. We need to be careful for with women who have God. C'est un trésor irremplaçable. It's an irreplaceable treasure. Je dis les femmes qui ont Dieu en vérité. I said women who have God in truth. C'est le bonheur. That's happiness. Parce que tout le monde dit j'ai Dieu, mais quand on essaie de bouger là, because everyone will say I have God, but once you shake it a little bit. Now you see them. Alors, après le péché, so after the nous sin, sommes dans la réconciliation. We are in the reconciliation, beloved. L'homme a été privé de tout ce privilège. Man was deprived of all that privilege. Maintenant là, but now, tu dois manger qu'à la sueur de ton front. You need to eat with the sweat of your forehead. À la femme, on lui dit, to the woman, they said, que c'est avec douleur que tu vas enfanter. That it's with pain you're going to give birth. La malédiction est entrée. And the curse entered. Et on le fait sortir du jardin. And they kick him out of the garden. On met des gardes, des chérubins. And they put guards, cherubims. Pour ne pas qu'il rentre dans le jardin. For him not to enter the garden again. Pour l'empêcher de manger le fruit qui donne la vie éternelle. To stop him from eating the fruit that gives eternal life. Mais Jésus life. Par sa mort. But Jesus by his death. A enlevé tout. Tous ces empêchements. He removed all those, tous ces interdits. He removed all those restrictions. Il a enlevé. He removed all maintenant tu as encore accès. He said, now you have accès au Père. Access to maintenant the Father. Tu redeviens le Père, le fils de mon papa. Now you become again mon my Père son. My father et le papa accepte. And the Father accepts. Comment tu peux jouer avec Christ? But how can you play with Christ? Comment tu peux ne pas témoigner Jésus? How can you not testify Jesus? Comment tu peux ne pas servir ce Dieu? How could you not serve this God? Comment tu peux ne pas adorer, louer ce Dieu? How could you not praise this God? Comment tu peux ne pas honorer ce Dieu, le glorifier dans ta vie? How could you not honor this God in comment your tu life? Peux ne pas le sanctifier? How could you not sanctify this God in your life? Quand il a fait ce que l'argent ne peut pas acheter. When he did what money could not purchase. Ce qu'aucun trésor de ce monde ne peut te donner. What none of the treasure of this world. La réconciliation avec Dieu. The reconciliation with God. La Bible dit si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? The Bible tells me if God is for me, who will be si against Dieu a agréé, qui peut s'opposer? If God agrees, who can say the opposite? Mais par cette réconciliation, but by that reconciliation, Dieu est revenu dans mon côté. God came back on my side. En sorte que mes combats, so my fight, devient le combat de Dieu. My battles become puisque tu as parlé des combats. Because you love to speak about battles. La réconciliation. Reconciliation. Par Jésus Christ. By Jesus Christ. C'est le troisième point que notre Dieu. That's the third point that our God. Il a ôté le péché. He removed the sin. Il a ôté la colère de Dieu. He removes God's anger. Il a ôté la condamnation. And he removed condemnation. Il t'a réconcilié avec Dieu. And he reconciled you with notre God. Notre quatrième point, je crois que nous allons nous arrêter là. Our fourth point. I think we're going to stop here. La rédemption. Hallelujah. Redemption. Amen. Jésus accomplit la rédemption. Jesus accomplished redemption. Woo! Hallelujah. Amen. Le rachat. Redeem. Je parlais tout à l'heure du péché que le premier couple a commis dans le jardin d'Eden. I was speaking of the first sin that the first couple committed in the Garden of Eden. Quand le péché est entré dans l'homme, when the sin entered man, automatiquement il a perdu l'autorité. Automatically he lost the authority. Il a perdu son indépendance, sa liberté. He lost his freedom. Il est devenu esclave du péché. And he became slave of the sin. Sous la domination du diable, le Satan. Under the domination of the devil, Satan. Il est devenu captif. And he became captive. C'est alors que le besoin d'être délivré de cette captivité intervient. It's then the need to be delivered of that captivity intervened. La rédemption. Redemption. Hallelujah. Amen. Bien aimé, c'est très capital. Beloved, it's crucial. Prête-moi ton attention, s'il te plaît. I need your attention, please.
avec le péché, with sin, tu es devenu esclave du diable. You became slave of the devil. Tu as perdu le pouvoir de résister au diable. You have lost the power to resist to the devil. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. You are no longer free to do whatever you d'avoir want ce que tu veux. To have what you want. Dans la dominion que Dieu avait donné dans les jardins d'Éden, de dominer, tu n'as plus cette domination, tu l'as perdue. So the dominion that God gave you in the Garden of Eden, you lost it. Ce pouvoir, tu l'as perdu. That power, you lost it. On te traite maintenant comme le diable veut. Oh, they treat you whatever way the devil ne te wants. Déconnecte pas, nous parlons de la rédemption. Do not disconnect. We are speaking about the redemption. Alléluia. Amen. Tu as été vendu. You were sold. Par tes péchés. By your sins. À un autre maître. To another master. Dieu n'est plus ton maître. God is no longer tu your master. Tu as un autre maître, Satan. You have another master, Satan. Qui te maltraite, qui te traite, tu n'as plus de valeur. He's mistreating you, you have no more value. Il te donne des commandes. He gives you orders. Quel que soit le prix à payer, tu dois obéir. Or, regardless of the price to pay, you need to obey. Parce qu'il n'y a pas de pardon là-bas, because comme il n'y a there pas is no forgiveness there, because there is no love. Tu as perdu la place élevée que tu avais. You have lost that elevated place that you had. Et rabaissé. And you are diminished. Diminished. Tu es pire même qu'une ordure. You are worse than trash. On préfère maintenant s'occuper d'un animal même que de toi. Oh, they prefer now to take care of an animal than you. Parce que le péché est en toi. Because sins are in you. Le diable est devenu le maître de ta vie. The devil is now the master of your life. Et le péché te contrôle. And sins controls you. Il fallait que Dieu active le plan de la rédemption. It needed God to activate the plan of redemption. Le plan de te libérer de cette prison. The plan to set you free of that prison. De te libérer de cette captivité. The plan to set you free of that captivity. Le plan qui te délivre. The plan that delivers de l'emprise du diable. That delivers you from the devil's hand. Dieu a activé ce plan par Jésus-Christ. God activated that plan by Jesus. En envoyant son fils unique pour te by sauver. By sending his only begotten son to pour te libérer des chaînes de l'esclavage. To set you free of the chains of slavery. Acclame pour Jésus. All put your hands together in Jesus. Il fallait payer le prix. You needed to pay the price. Puisque tu as été vendu au péché. Because you have been sold to sin. Il fallait qu'on paye le prix. Oh, you needed to pay the price. Pour que tu reviennes. For you to come back. Pour que tu reviennes à la position initiale. For you to come back to the initial. À la position de règne. A position of reign. Il fallait que la rançon soit versée. Oh, the ransom. The ransom needed to be paid. Thank you. Alléluia. Amen. Et Jésus l'a payé pour toi and et moi. And Jesus paid it for you and I. Avec sa vie. With his life. Par la mort. By death. À la croix. To the cross. Il t'a accordé cette délivrance. He gave you that deliverance. Et a payé le prix pour toi et moi. He has paid the price for you and I. Par sa vie. By his life. C'est ce qu'il fallait pour apaiser son père. And that's what was needed for God's heart to be at peace. Accomplir la justice de Dieu. To accomplish the justice of Christ God. Paye. Christ needed to pay. Dans quelle prison tu te trouvais? In what prison did you find yourself? Par le Saint-Esprit, nous avons vu quelques points. By the Holy Spirit, we saw a couple of points. Qu'est-ce que Christ t'a délivré de? What did Christ deliver you from? Il t'a libéré de quoi? What did he set you free of? De la malédiction de la loi. For the curses of the law. Nous sommes au quatrième point, la rédemption. We are in the fourth point, redemption. Il t'a racheté de la malédiction de la loi. He redeemed you from the curses of the laws. Galates 3. We are in the book of Galatians. Galates chapitre 3. We are in the book of Galatians chapter 3. Alléluia. Amen. Du verset 13 à 14. Verse 13 to verse 14. La Bible dit ceci. The Bible declares. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ purchased our freedom, redeeming us from the curse.
of the law and its condemnation by himself, becoming a curse for us. For it is written in the scripture, cursed is everyone who hangs on a tree. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. To the end that through their receiving Christ Jesus, the blessings promised to Abraham might come upon the Gentiles, so that we through faith might all receive the realization of the promise of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. En Jésus, nous avons les persécutions. Oui, c'est une part de notre héritage. In Jesus, we have persecution. Yes, it's part of our heritage. Mais la malédiction a été clouée à la croix. But curses was nailed on the cross. Il dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. He said, curse is the one who hangs on a tree. Voilà, il fallait que ton Dieu, Jésus-Christ, aille à la croix. Now, your God, Jesus Christ, needed to qui go on the cross. Qui souffre le bois du crucifix. For him to suffer the crucifixion. Parce que dès que son corps a touché le bois du crucifix. Because the minute that his body touched that tree. Les échanges ont eu lieu, bien-aimé. And then the exchange took place. La malédiction qui était sur toi est tombée sur lui. The curses that were on you fell on him. Et la bénédiction d'Abraham par lui est arrivée chez toi. And the blessing of Abraham through dès que son corps a touché le bois. The minute the body touched that wood. Il est devenu malédiction. He became the curse. Pour toi. For you. Hallelujah. Amen. Amen. Tu as été libéré de la malédiction. You were set free of curses. Tu étais libéré des condamnations. You were set free of condemnation. Bien-aimé, qui te dit que tu es encore sous la malédiction quand tu es chrétien? Beloved, who tells you you're still under the curses as a Christian? À la croix de Golgotha. At the Golgotha cross. La Bible vient de me dire là. The Bible just told me. Que Christ a fait malédiction pour que tu aies accès à la bénédiction d'Abraham par la foi. Christ became cursed so you could be blessed through him. And the blessing of Abraham to be on you. Là, tu dois plus travailler, c'est sur ta foi en Jésus. Now, where you need to work more is on your faith. En déclarant que la malédiction, quel que soit ce qu'elle ait, a été clouée à la croix. By declaring that, regardless of all the curses, it was nailed on the cross. Quel que soit ce que tes ancêtres ont fait. Regardless of what your ancestors ce que tes parents ont contacté. What your parents have contacted as quel que soit ce qui a été prononcé contre toi. Regardless what was pronounced on you. Par la foi en Jésus Christ de Nazareth. By the faith in Jesus Christ of Nazareth. Tu es libéré de cette maladie. You are set free of those curses. Quel que soit les lois établies. Regardless of the established laws. That could exist. Par la foi en Jésus, by the faith en Jesus, que Jésus a pris cela avec lui à la croix, by believing that Jesus took all et il t'a donné la bénédiction, and he gave you tu es sauvé. You are saved. On est sauvé par la grâce. We are saved by grace. Au moyen de la rédemption qui est en Christ. Through the redemption that is Christ. On m'a pas dit que je dois mener un chevreau pour que je sois délivré de la malédiction. They did not tell me bring a goat so I could be. Le sacrifice de Christ a suffi. The sacrifice of Christ was enough. Pour que les lois établies soient annulées sur ma vie. So the established law will be abolished. Je dois travailler sur ma foi, bien-aimé. I need to work on my faith, beloved. Les condamnations sont effacées. Condemnations are erased. Nous allons voir ça le dimanche prochain. And we are going to see it next Sunday. Quelle est la loi qui pèse sur toi? What is the law bearing on you? Confesse la bénédiction que tu as reçu en Jésus. Confess the blessing you have received. Souvent les chrétiens font la confusion entre les persécutions et la malédiction. You know, sometimes Christians they get persecution mixed up with cursing. Les persécutions sont les combats que tu reçois à cause de Jésus. Now, persecutions are the battles that you receive because of Jesus. À cause du témoignage de Jésus que tu gardes. Because of the testimony of Jesus that you keep. Non, les malédictions tu les hérites. Tu but reçois. Curses, you it's an inheritance. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Nous acceptons les persécutions. We accept persecution. Mais la malédiction n'a plus effet sur moi. But curses have no effect on us. La Bible nous dit. The Bible tells dans Romains 8 au verset 1. In the book of Romans 8, il n'y a donc 1, plus de condamnation pour celui qui est en Christ. There is no longer condemnation for the one who is in Christ. Qui est celui qui te condamne? Now who's condemning? Même la femme surprise en flagrant délit d'adultère dans la présence de Dieu, la condamnation était effacée. Even the woman who was caught in adultery in the presence of Jesus,
The condemnation was erased. Pourquoi tu marches comme une condamnée? Why are you walking like a condemned? Pourquoi tu marches dans la peur? Why are you walking in fear? Pourquoi tu as peur des sorciers? Why are you afraid of witch? Un petit margouin assis quelque part. A little lizard is sitting somewhere. On t'a prononcé des mauvaises paroles contre toi. Oh, pronouncing bad words against you. Et on t'amène cela par une parole, de connaissance. And they bring it to you by a word of knowledge. Mais il y a ta tante, il y a ceci qui parle mal de toi. Oh, there is your aunt or uncle speaking bad words. Tu commences à trembler. Oh, you start trembling. Et l'œuvre de la croix est passée où? And the work of the cross, where did he go? Donc Jésus est passé en vain à la croix. So Jesus went in vain on the cross. Et tu t'appelles chrétien? And you call yourself a Christian? Si tu ne crois pas ce que Dieu a fait à la croix. If you don't believe in what God did on the cross. Où est passée la malédiction? Where is the curse? À la croix là-bas. At the cross. Mm. Réveille-toi, toi qui dors. Wake up, you. Réveille-toi de cette ignorance. Wake up of that ignorance. Réveille-toi de cette intimidation diabolique. C'est dans cette condition que l'ennemi veut garder le peuple de Dieu assujetti. En ne faisant pas un pas de fausse doctrine. To keep us afraid. Tu es en Jésus, mais tu es encore sur la quelle malédiction je suis encore. You are in Jesus and you are in the curses. No, you are not. Est-ce qu'on peut me connecter à l'ordinateur qui est en train de running out from battery? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Christ a cloué à la croix la malédiction. He nailed Christ's curses. En devenant malédiction pour toi et moi. By becoming a curse for you and I. N'aie pas peur. Do not be afraid. N'aie pas peur. Do not be afraid. Proclame la victoire en Jésus. Proclaim victory proclaim in la Jesus. Vie en Jésus. Proclaim life proclaim in la Jesus. Délivrance en Jésus. Proclaim deliverance c'est in Jesus. En proclamant cela, en déclarant cela, by declaring en force de beaucoup écouter cela, ça va commencer à prendre vie. It's going to start taking place. Ne te tais pas. Do not keep your mouth shut. Que quelqu'un ne t'empêche pas de lire ta Bible. Do not let anyone stop ne sonder les Écritures. The Bible or seeking for the words. Nombreux les enfants de Dieu. A lot of children of God. C'est pas mauvais. It's not bad. Quand tu vois leur Bible. When you see the Bible. C'est là où il y a les psaumes que c'est devenu très noir. And you see where the psaumes are, it's like really dark. Et la nouvelle alliance par laquelle tu es délivré. And the new covenant by which you were delivered, where does it go? Quand tu connais pas ce que l'évangile dit, ce que when les épîtres you don't te know disent, what the gospel tells you. Ce que la nouvelle alliance te dit, tu connais what pas. What the new covenant tell you, you don't know. Depuis les actes des apôtres jusqu'à la fin. From acts of apostles all the way to the end. Il faut lire. You need to read. Qu'est-ce qui te revient? What belongs to qu'est-ce you? Qu'est-ce que Jésus a accompli pour toi? What did Jesus accomplish for you? Au lieu de trembler ici et là. Instead of shaking here and there. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. The old covenant is the shadow of things to come. Jésus est venu mettre la lumière sur cette ombre. And Jesus came to put the light on that shadow. Afin que tu comprennes qui tu es, qu'est-ce qui te revient. For you to understand what belongs to you. Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. We are going to stop here today. Nous n'avons pas fini la rédemption. We did not finish redemption. Nous avons encore deux points essentiels à prendre dans la rédemption. We still have two very important points on mais je the veux redemption. Que là où tu es, tu commences à bénir Dieu. I want you where you are, start blessing God. Lui qui t'a délivré de la malédiction générationnelle. The one who delivered you from the generational curses. De la malédiction ancestrale. From ancestral curse. Christ allant à la croix t'a délivré. Christ going on the cross delivered you from that curse. Rends-lui action de grâce. Give him thanksgiving. Remercie Dieu. And thank God. Nous prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of lui qui a effacé ton péché. The one who erased lui qui a ôté ton péché. The one who removed your lui qui a ôté la colère de Dieu contre toi. The one who removed God lui qui t'a réconcilié avec the one who reconciled you. Alors remercie le Seigneur. So thank God. Nous prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Père de gloire, Père de bonté, nous te remercions. Nous élevons au Saint d'Israël. Il n'y a que toi qui pouvais nous parler de la sorte. Papa, de ce que tu as accompli pour nous. Maintenant, nous sommes dans la peur. Because a lot of us we fear. Nous tremblons de jour comme de nuit, Seigneur. We tremble day and night. Toi-même, tu as dit à Jérémie de ne pas trembler.
trembler. How much more did you tell Jeremiah not to tremble? Mais nous tremblons toujours. But we still tremble. Comme même tu as dit à Jérémie que tu te feras la guerre mais tu te vaincras pas. You told Jeremiah they will seek for war, but they never conquered you. Mais nous avons peur quand les combats arrivent. But we are afraid when battles come. Seigneur, nous te bénissons pour l'œuvre accomplie pour nous. Father, we bless you for the accomplishment. Pour la vie donnée. For the life given. Pour le péché ôté. For the sins removed. Pour la colère apaisée du Père and Créateur. And for God's wrath that you have appeased. Pour la réconciliation. For the reconciliation. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Papa. Thank you Father. Pour le prix que tu as payé pour moi, thank pour mon rachat, pour le rachat de mon frère. And my brother and my sister. Seigneur, je vais te demander une chose. Lord, I'm going to ask you one thing. Foi tout un chacun, Seigneur. Increase everyone's faith. Foi de tout un chacun. Increase everyone's faith. Maintenant que nous partons vers la fin de l'année. Now that we are going to be in the people are going to be in the devil is intimidating people. Lord, open the eyes of the world. Tout un chacun. Open the eyes of the world. La grandeur qui est en toi. Que nous voyons le pouvoir que nous avons en toi. Que nous voyons la supériorité que nous avons en toi. Que nous voyons combien nous sommes protégés. Seigneur, nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts. Lord, que nous voyons les yeux de tout un chacun. Que nous voyons combien tu es glorieux. For us to realize how glorious you are, Lord. Sanctifie la conscience de tout un chacun. Sanctify everyone's conscience. Que nous acceptons, Papa. For us to accept. Viens ôter le voile sur notre conscience. Come and remove the veil on que our. Que nous réalisons que sans toi il n'y a point de vie. For us to realize without. Que la vie n'est qu'en toi, Seigneur. That life is la paix qu'on cherche tant est qu'en toi. The peace that we are seeking. La guérison qu'on recherche est en toi, Seigneur. The healing that we are seeking. La victoire qu'on recherche est en toi, Seigneur. The victory that we are seeking. Le pouvoir qu'on recherche est en toi, Seigneur. La vie éternelle est en toi, Seigneur. And the truth la réconciliation is est pour toi, Seigneur. Le bonheur est pour toi, Jésus-Christ. Alléluia. Augmente la foi de tout un chacun. Increase everyone's faith. Seigneur, je sais que tu nous as aimés le premier. Lord, I know you loved us first. Et tu nous aimes encore. And you love us. Seigneur, par amour que tu as pour nous. Lord, by the love that you have for us. Touche ton peuple qui est encore éloigné. Touch your people that are still far away. Touche les membres de nos familles. Touch family, our family members. Aide-nous, Seigneur. Help us, Lord. À les encourager aussi. To encourage them. Afin qu'ils finissent pas cette année loin de toi, Seigneur. So they won't finish this year away from you, Lord. Car il y a la vie qu'auprès de toi. Because there is only life to you. Béni sois-tu qui nous a donné ce message. Be blessed you who gave us this message. Que ce dernier soit couvert par ton sang. And let this message be covered in your que l'ennemi ne vole aucune lettre de ce message. So the devil would not steal anything of this message. Pour ta seule gloire. For your glory. Béni la semaine de tout un chacun. Bless everyone's week. Comme nous partons dans la semaine d'action de grâce ici aux États-Unis. Since we are going in the week of Thanksgiving in permet que nous marchions dans cette semaine en te rendant grâce sur grâce sur toute pour toutes. Allow us to walk in this week to giving you grace and grace in everything. Nous te remettons dans tes saintes et puissantes mains. We put ourselves in your mighty hands. Tous ceux qui vont se déplacer pour ces festivités. Everyone that will be driving for this moving one place to another for the festivities. Nous te remettons le panier de chaque famille, Seigneur. We give you the baskets of every family. Que Lord. Tu pourvoies à leurs besoins pour ces festivités. For you to provide for Thanksgiving. Qu'ils arrivent à trouver de quoi manger et partager dans leur famille. For them to find something to eat and share with their family members. Papa, nous te remettons les cœurs blessés. Father, we give you all the broken hearts. Les cœurs meurtris. And all the wounded hearts. Par ta grâce, ô roi. By your grace, ô king. Aide-les à te rendre grâce en toutes choses, quel que soit ce qu'ils traversent. Help them to give you grace in everything that they're going through. Car c'est cela ta volonté pour nous qui sommes en Christ. Because that's your will for us in Christ. Apprends-nous à te rendre toujours action de grâce. Teach us to always give you thanksgiving. Voici toute une semaine pour que nous te rendons action de grâce. And look, there is a whole week for us to give you thanksgiving. Si le monde peut se donner une semaine d'action de grâce. If the world can give themselves a week for thanksgiving. Que soit la raison, que soit la motivation, regardless of il y a plus forte raison nous qui avons expérimenté ta grâce. And how much more us who have experimented your grace, Lord. Suscite
des cœurs au-dedans de nous qui te rendent continuellement action de grâce. Seek for hearts that will continuously give you thanksgiving. Donne-nous ces cœurs, Papa. Give us those hearts. Qui peuvent te rendre action de grâce même avec des larmes. That will give thanksgiving to you even with tears. Pour tout ce que tu es. For everything you are. Reçois la gloire. Receive all the glory. D'éternité en éternité. Forever and ever. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et vous bénisse vos familles. Thank you for watching us, and God bless you and your families. Au revoir. Goodbye.